que le choix est entre la voie de droite ou la voie de gauche. Non, c'est savoir. Moi, j'ai vu dans pas mal de pays étrangers, notamment aux États-Unis, où ça fonctionne. Mais c'est sur les grandes autoroutes avec des péages au départ et des péages à l'arrivée, ce qui permet de bien contrôler les véhicules qui empruntent cette voie sans avoir le droit d'y être. Comment va être fait le contrôle pour ce qui concerne ces secteurs? Parce que le problème est là. C'est vrai que la voie de droite, le risque de la voie de droite, c'est que le véhicule qui était la deuxième voie, mettons, qui veut sortir, se rabattra sur la voie de droite. Est-ce qu'il sera à ce moment-là en infraction si c'était la voie de droite qui était choisie? Je trouve que c'est compliqué. Donc, je n'ai pas d'opposition sur l'une ou l'autre, mais comment sera fait le contrôle? Parce que c'est pour l'efficacité. Il faut effectivement favoriser le covoiturage, mais comment va être fait le contrôle? Est-ce qu'il y aura une efficacité là-dessus? Voilà. Donc, je suis perplexe.